Bonjour à tous et à toutes, je suis Seros et bienvenue à tous dans la suite de Granny 3. Je sais, la dernière fois j'avais dit que c'était l'épisode final, mais il faut savoir que ma petite Granny a eu une mise à jour. Nous avons droit à de nouvelles pièces et aussi une nouvelle façon de s'échapper. On va aller voir ça directement dans cet épisode et si j'y arrive pas, eh ben j'y arriverai quand même, voilà. Peut-être pas en extrême, on va pas déconner. Non mais non, vous pouvez pas commencer un extrême direct, vous êtes fous, vous. Vous êtes fous. Jour 1! Les amis, ce que nous allons faire dans ces premiers jours, c'est qu'on va essayer... Oh, MG, je le vois direct! Regardez ça! Il y a un trou... Attendez, hop. Il y a un trou direct dans le mur! Attendez, oh, oh! J'allais dire... J'allais vous dire, bah déjà faut savoir, voilà, faut trouver le nouvel endroit, tu vois, où ça peut se trouver. Et a priori, c'est déjà là. Donc, on va essayer d'ouvrir ça, tranquillou. Alors, n'hésitez pas à dire hein, s'il y a un petit problème au niveau du son, de la fluidité, etc. Dites-le dans le chat, j'essaierai de le lire, même si ça va super vite. Hein. Savoir qu'on n'est pas habitué. Hein, les modos, bonne chance aussi à vous. Merci à toi, merci beaucoup Frédéric pour le bon chance. Bon chance à toi aussi également. Bon alors dans cette salle il n'y a rien du tout. Et j'ai un trou ici. Alors dans ce trou nous avons droit à un éboulement et un casier. Et ici un truc en endroit où on peut mettre de la monnaie dedans. Et ça ne font que... Putain. Ok alors. Quelque chose bloque depuis l'intérieur. J'ai une conduite d'aération ici. Et j'ai ici donc le fameux train. J'ai l'impression en fait que quelque part. Mais c'est un robot qui me poursuit. Il est en train de me faire opérer. Oh. Le robot il me fait repérer là non? What the fuck? J'étais tranquille comme ça? Merde. Ok, m'a vu. J'étais... Oh, mais non, il y a grand-père et grand-mère. J'étais tranquille. Et il y a le robot, il me repère. Vous voyez pas tout bien? Attendez. Si, non, vous voyez l'écran entier. Si, 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 ça devrait bien marcher, non? Si, si, vous voyez bien l'écran. Alors, la nouvelle mage rajoute pas mal de choses et une nouvelle façon de s'échapper. Donc, du coup, il y a un... maintenant, il y a un métro. Parce que beaucoup de gens m'ont dit... Beaucoup de gens, j'avais vu les commentaires, ils disaient que... Oh, ce nouveau Granny, il est moins bien que le premier. Il n'y a qu'une seule façon de s'échapper. Mais le mec, il travaillait encore dessus, comme tu peux le voir, tu vois. Si c'est flou, c'est toi, en fait. C'est pas moi. Si c'est flou, en fait, il faudra que tu regardes un petit peu ta connexion internet. Tu peux baisser, en fait, t'as droit à plusieurs niveaux de qualité. Tu peux mettre en 720p si ça marche pas bien. Merde, j'ai fait tomber le tableau. Putain. Ok, elle arrive. Attends. Alors, hop. Bon, je vais partir, les amis. Je vais partir. Parce que... Concrètement, là, ça va pas... Yata ! God damn it ! Donc, on a bien vu, en fait, cette zone du métro. Donc, il y a un train, il y a une pièce à trouver pour pouvoir avoir un ticket, je suppose, pour pouvoir entrer dans le métro, peut-être. En tout cas, mon souci, là, actuellement, c'est surtout... L'espèce de robot là qui traîne en plein milieu qui m'a fait repérer. Je dois probablement ouvrir cette porte grillagée. Comment. Un shit. Je vais me débarrasser de Slendrina direct en fait parce que elle m'empêche de bien regarder correctement où je vais aller, tu vois. Donc du coup, j'ai plusieurs boutons. Non, je vais voir, je vais descendre sur la voie ferrée. Ah, ça ne fonctionne pas. Ah, saleté de robot. Laisse-moi tranquille. Non! OMG, mais il est sérieux! Il se passe quoi quand je fais ça? Ah, il manque une poignée du coup. Non, mais le robot. Le robot, il me bloque! Aïe, 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 aïe,
Ok. Oh, grand-père. Au revoir tout le monde. Je m'en vais d'ici. J'ai besoin d'une crowbar pour ouvrir cette boîte. Ok, je vais visiter toute la maison maintenant. Non, je vais pas jouer à hide and seek. Il y a des nouveaux objets à récupérer dans la maison. Maintenant, il faut les trouver, tu vois. C'est ça, le gros. Oh. Ah ouais, mais quelle idée, Seros, aussi, d'avoir mis cette alerte, hein, sérieusement. Je sais pas, je croyais que c'était une bonne idée à la base. Mais finalement, peut-être pas. Erwan, Seros 3.0, pas avoir peur. Moi, j'aime bien quand tu sursautes. Moi, j'aime pas quand je sursaute. Hein. C'est pas cool hein, de sursauter comme ça tout le temps. Après, on dit que j'ai peur de tout, mais... Putain de fuck, mais je devrais arrêter d'avoir peur de Slendrina. Je la connais par cœur, cette Slendrina, maintenant. C'est dingue, quand même. À savoir, les amis... Un truc, les amis. À savoir un truc. Le mois d'Halloween arrive, et bien évidemment, mois d'Halloween dit jeu d'horreur. Et du coup, nous allons tester une pléthore de jeux d'horreur pour le mois d'Halloween. Alors, déjà, je voulais dire, mais tu le fais déjà de base. Oh. Mais oui, je le fais de base. Je le fais déjà de base, mais là en fait, il y aura un petit truc un peu spécial. Pourquoi il y a un Dalek? Je sais pas pourquoi il y a un Dalek. Le genre littéralement, il me court après en disant extermination. Ce que je voulais vous dire, c'est surtout que il y a un petit retour de Five Nights at Freddy's pour le mois d'octobre. Je vais tenter de faire un petit marathon de Five Nights at Freddy's hein, pour ceux qui ont envie de le voir. Donc je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous du coup en octobre pour le mois d'Halloween. Pour voir tout ça. Alors, je vais sûrement appeler ça le mois spécial FNAF, ou la semaine spéciale FNAF, ou une connerie du genre. Vous en saurez plus de toute façon au mois d'octobre. C'est le mois prochain. Hein. C'est le mois prochain, ça arrive vite. Hein. Ça arrive vite. Ah ouais, mais ça va être cool, hein, vous inquiétez pas. En plus, il y a beaucoup de gens qui n'arrêtent pas de me dire que Tillerland est sorti. Et effectivement, il faudra que j'aille jeter un petit coup d'œil aussi. Parce que je l'ai téléchargé déjà, mais je ne l'ai pas encore lancé. Ah, il y a des boîtes en plus, les amis. Il y a des boîtes en plus, il y a une boîte là et une boîte plus bas. C'est-à-dire qu'il y a deux nouveaux endroits pour récupérer du stuff, pour pouvoir ouvrir les portes. Donc clairement là nous sommes en phase d'un nouveau jeu. Hein, c'est pas comme si on avait déjà tout visité auparavant. Donc ce que je vais faire par contre, c'est que je vais d'abord me jeter à corps et âme perdu dans cette pièce pour voir s'il n'y a pas de planche. Non, il n'y en a pas. Est-ce que je peux? Non, toujours pas. Je peux voir la manivelle là-bas, j'ai un vase ici. On va récupérer ça là, on va jeter ça en bas, on va attirer les gens, on va faire Granny! Je suis là! Faut que je fasse attention et pas que je reste trop longtemps au même endroit, sinon je me fais trop choper par Slendrina. Vous inquiétez pas, là, le professionnalisme entre en place là, on va réussir, vous inquiétez pas. Je viens de voir toutes tes autres vidéos! Ah ouais, tu fais ça toi? Dying Light 2, c'est en décembre, c'est le 7 décembre exactement pour la sortie du jeu, je l'avais dit aussi dans la vidéo sponsor que j'avais fait sur le jeu. Alors, Steven, tu me dis, je te suis depuis tes débuts, le youtubeur number one pour moi, continue comme ça, BG, fais-moi signe. Merci à toi, Steven, et je t'ai fait un signe, merci beaucoup. Et bienvenue à tous sur le live, vous êtes très nombreux. Joyeuse création Halloween, j'avais déjà fait celui-là, il est sur la chaîne déjà. Dark Souls, il faut que je continue Dark Souls. Mais du coup, je continuerai, le problème, c'est que beaucoup d'entre vous n'ont pas vu le début, mais je suis déjà à 5 épisodes sur Dark Souls. Mais voilà, je ferai des lives... Merde, la vue. Je ferai des lives réguliers, genre quasiment tous les jours, en après-midi, en début d'après-midi, entre midi et 16h en général. Ça dépendra des jours, de mes disponibilités. Et en général, et après des fois, je refais des lives aussi le soir. Mais c'est ce que je faisais sur Twitch. Et c'est ce que je vais apporter maintenant sur YouTube. Hein, pour si vous aimez bien les lives. Ou alors si vous découvrez, ben c'est le moment en fait de voir tout ça. Ne vous inquiétez pas aussi, les vidéos continueront comme d'habitude. Hein, ça va pas stopper. C'est juste qu'il y aura un petit peu plus d'activité sur la chaîne maintenant, puisque... J'ai tout recentré au même endroit. Ok. Ah, c'est très mal poli de marcher sur les tables, les gens. Mais vous savez, des fois, on n'a pas le choix. Okay. Alors, du coup, on va mettre la petite bûche. Juste ici. Je vais voir ce qu'il y a dans la salle de bain. Rien de bien folichon. Je vais devoir aller dans la cuisine. Je vais prendre un raccourci pour aller dans la cuisine. Je vais pas passer par l'escalier, c'est un truc qui me plaît pas trop. J'aime pas trop me cacher dans la cuisine comme ça parce que c'est complexe, tu vois. Hop. J'ai pas vu ce que c'était. New subscriber.
Ah oui, mais merde, ça fait beaucoup de bruit, ça. Attendez. Ah non, 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 non. Stream Element, non. Stream Element, non. Ça, ce genre de choses, tu fais pas ça. Attends. Attendez 2 secondes, je reviens. Juste que j'enlève le son, en fait. Pas que j'enlève l'alerte, mais que j'enlève le son. Parce que vous imaginez, à chaque fois les gens s'abonnent à Seros, vous avez un son comme ça. Tiens, à faire beaucoup de sons. J'entends beaucoup de gens qui marchent autour de nous. Alors, boosted, c'est ici. Modifier. Ah bah alors ça c'est aussi, alors pour ceux qui n'ont jamais l'habitude de voir des lives, ça marche comme ça aussi. Il y a des choses qui arrivent et du coup ça te bloque un petit peu dans ce que tu es en train de faire. Si c'est pas un petit chat qui vient te parler, te raconter sa journée, eh ben c'est OBS qui plante ou carrément en fait une alerte qui marche un peu trop bien. Alert sound et poup, voilà, c'est bon. Là ça va être parfait. Là c'est parfait comme ça. Voilà, parce que je voyais rien. C'est bon. Alors, Granny, what else? Toi-même tu sais. C'est flou, c'est pas flou. C'est pas flou, c'est flou pour vous. Pour moi c'est pas flou les gars. Qu'est-ce que vous racontez? Faites des dons, c'est gratuit. Ouf, j'y crois, ouf, moyen. Il y a des piles, Seros. Oh, il y a maintenant des piles à récupérer. Purée. Mais des piles pourquoi du coup? Ok, j'ai la weapon key. J'ai la coconut. Ah. Ok. Weapon key, coconut. On commence par quoi les gars? Fuck. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai le temps de faire ça? Ça peut être trop lénatique. Attends, on ouvre la porte. Vous savez quoi? Je vais tenter d'abord par... Oh, une pierre. Je vais tenter d'abord... Ah oui, mais j'ai peur de perdre en fait mes éléments. Des fois les clés traversent le sol et après c'est les... on est dans la merde. La planche est là. Ah, par contre... Ah putain... Vous êtes sérieux? La planche est partie et dans la chaîne? J'avais jamais vu ça auparavant. J'avais jamais vu la planche dans la chaîne. Je suis nouveau. Salut à toi, nouveau. Merci pour le don, c'est gentil. Merci pour le super chat. Comment ça, les modos sont pas ouf? Oh, j'ai la clé du train. Oh là là, j'ai la clé du train, les amis. Hey, Clémentine, merci à toi pour le membre soutien. Merci, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Ok, grand-père descend. Allumer le feu, les amis. Oh, 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 comment je m'infiltre? Je passe derrière Granny et tout. Elle me voit pas. Je suis sûr que vous êtes pas prêt pour ça. Vous êtes pas prêt pour ça. Ok, maintenant, Granny, calme-toi, par contre. Bon, Stream Element, il m'agace. Stream Element m'agace. Joséphine! Oh mon dieu! Ok, d'accord. Attendez. Attendez, Stream Element. C'est pas bien, Stream Element. Hein. C'est pas très bien ça. Alors. Parce qu'il est en train de spammer littéralement le chat. Frédéric, merci pour le moment au soutien. Merci à toi, merci beaucoup. Merci d'être devenu un. Merci d'être devenu un membre. De rien nouveau. Ok. Alors, attendez 2 secondes, je dois juste enlever que le Stream Element vous spam, parce qu'après du coup ça va pas être très lisible pour vous tous. Sauf que je ne sais pas comment faire. Minuterie. C'est sûrement commande de chat. Module peut-être. Alerte de chat. Soyez avisé lorsque le chat. Non, pas d'abonnés. Pas d'abonnés, non. Voilà, ça on enlève. Voilà, on sauvegarde. Voilà, c'est parti. Compliqué, hein, ce live. Hein. Compliqué. Eh, première fois un live sur YouTube. Hein. Okay, c'est pas ma faute. Hein. Pas ma faute. Donc, le rire, en fait, que vous entendez, c'est une alerte, les amis. C'est une alerte. C'est pas rien à voir avec... rien à voir avec Granny.
Mais remarque, ça rentre bien dans le thème. Donc du coup, pour ceux qui ne savent pas exactement ce que je suis en train de faire, parce que vous avez jamais vu Granny, et ça m'étonnerait. Dans Granny, on peut allumer le feu. C'est dangereux sur l'escalier, on peut tomber, regardez. What the fuck? Il a enlevé les planches ici exprès ou... On peut allumer le feu, ça fait s'envoler le corbeau. Et du coup, j'ai maintenant le câble. Alors, le câble me permet d'allumer le générateur. Le générateur me permet de rallumer le courant et d'ouvrir potentiellement la porte. J'ai littéralement fait un saut de l'ange quand même. Faut pas déconner. Simon, merci à toi. Bienvenue à toi sur la chaîne. Merci énormément, Simon. Donc du coup, je vais allumer le courant. Wow. Je vais prendre la weapon key pour récupérer l'arbalète. Hein. Ce jeu fait peur. Oui, il fait très peur, gamer. Il fait très très peur. Enfin, il fait peur. Après, ça dépend si t'as peur ou pas de Granny. Hein. Moi, Granny me fait peur. Mais bon, après, c'est moi. Hein. Après, c'est moi. Oui, je sais. J'ai dit tout à l'heure en début de live. Mais j'entends les trucs en boucle. Mais je vois même pas les alertes, en fait. Oh, bah, purée. Bah, voilà. C'est ça que de regarder son chat. Hein. Tu te fais défoncer. C'est Ross. Tu vas perdre comme ça pour rien du tout. Moi j'ai pas peur, je suis un bonhomme. Oui, j'ai déjà essayé Ice Cream pour ceux qui veulent voir. Ice Cream est directement sur la chaîne. Hein. J'ai une pièce. C'est bon, casse-toi. J'ai la pièce, les amis. Alors, je vais retourner tout en bas. Je vais mettre la pièce dans le distributeur. En espérant que grand-père ne soit pas là, quand même. Hein. Ce serait quand même dramatique de se retrouver face à face avec grand-père. Bon, j'allais trouver la clé. J'espère que je ne l'ai pas balancé un peu trop fort au sol. Ok, j'ai mon ticket. Ça me permettra donc d'entrer dans le train, je suppose. La clé est par terre et la planche aussi. Le truc, c'est que je ne sais pas quel objet... Je ne sais pas dans quel ordre je dois trouver les objets pour pouvoir réussir. Parce que là, techniquement, je suis en train de faire la sortie normale. Vous savez, la sortie vers le... vers la porte. Ça complexifie un petit peu les choses. Je peux vous l'avouer. Je prends la weapon key... Où est-ce que j'ai jeté la clé du train, les amis? Pardon. Excusez-moi. Putain, il m'a fait trop peur. Où est-ce que j'ai jeté la clé du train? Merde. Non, mais les gars... J'ai quand même pas fait cette connerie. Le coffre de la voiture? J'ai quand même pas fait la connerie d'avoir jeté ça par terre et ça a disparu. Hein. C'est dans la voiture? Ah oui, merci les gars, merci. Oh, vous m'avez sauvé, vous m'avez sauvé. Alors, pour répondre à ta question, j'ai déjà joué à Outlast. J'ai même fait terminer. Hein. Le jeu, c'est l'un des... Outlast fait partie des... Pardon. Ils me tirent dessus. Ils me poursuivent tous les deux. Ah. J'ai l'impression que je suis dans un de ces films. Ah. Oh, hop. Ouh. C'est dangereux quand même. C'est un petit peu dangereux tout ce qui se passe là. I see you. C'est pas grave. Moi, ce qui est bien, c'est que j'ai pu les éloigner, en fait, de moi. Et du coup, ça, c'est génial. On va récupérer ça. On va monter à l'étage. Voilà. Ouais, laisse-moi tranquille, purée de pommes de terre. Granny va venir, en fait. Je garde une pierre pour Granny.
C'est headshot des familles, putain. Granny, je pense qu'elle a dit what? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ok, c'est bon. Alors du coup... j'ai fait tomber tout ça. Là, ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais retourner ailleurs. Merde, mince, j'ai... Ça va être... C'est difficile. Top. Ah, ça rame. Ça rame. C'est Rose, dépêche-toi, il y a... Granny, putain, ça, mon ordinateur rame. Du coup, j'ai pas pu répondre à ta question. Je ne la vois même pas. Faut que j'aille chercher... Il est derrière moi. Il est derrière moi. Hop, hop. On fait un petit virage. On fait un petit virage. On récupère la planche et on monte. On va chercher les... On va chercher les trucs. Allez. Est-ce que tu peux marcher, s'il te plaît? Non, ça marche pas. Il y a trop de gens. Ça bug. Non, mais de toute façon, la rediff reste sur YouTube. Donc, du coup, forcément, ce sera une vidéo YouTube. Hein. Elle est morte pour que... Je te jure. Je suis un peu triste. Hein. Vous avouerez que là, je suis un petit peu triste. Hein. Voilà. C'est quoi le but? Ben, quoi, le but de Granny? Vous êtes sérieux, monsieur? Vous êtes sérieux, monsieur? Oh. Je crois qu'on a essayé de m'attraper, mais j'ai pas vu. Granny, c'est que tu es quelqu'un qui est enfermé dans une maison. Et t'as une vieille grand-mère qui veut te tuer. Et le but du jeu est donc de s'échapper de cette maison. En essayant de résoudre le maximum d'énigmes possible. Donc du coup, ça veut dire récupérer des objets pour pouvoir les imbriquer les uns dans les autres. Et ainsi de suite. C'est vraiment une sorte d'escape game, si tu veux. Hop, c'est un escape game. Ouais, c'est ça, c'est une vieille qui te court après. C'est totalement... T'as littéralement trouvé le concept du jeu. D'ailleurs, d'ailleurs, la vieille, là, je vais essayer de la voir, là. Granny! Je crois que je l'ai attiré. Au revoir, Granny! Qu'est-ce que ça fait du bien que de lancer des coups de cailloux dans la tête d'une petite vieille qui te poursuit avec une batte de baseball. Salut le gars du Québec! Quelle heure il est chez toi du coup? Il est pas un peu tôt? Ou un peu tard? Ça dépend comment tu vois les choses. Ah, bon... Coup dur pour le joueur français. Aujourd'hui, Seros s'est pris plusieurs ruptures, plusieurs concussions au niveau du crâne. Hein. Faut savoir que tout ceci ne se passe pas super bien pour lui. Le pauvre petit Seros, va-t-il pouvoir réussir? On ne sait pas encore. Je te jure. Bon. J'essaye juste de monter à l'étage pour récupérer le vase. J'essaye juste de récupérer, mais je me fais repérer et me fais assommer à chaque fois à peu près au même endroit, tu vois. Bon, là, je vais dans la cuisine par le plus grand chemin. Pas sûr que ce soit vraiment la meilleure idée qui soit. En plus, je peux prendre... Mais je suis bête! Mais je suis tellement bête! Les gars, vous avez pu dire que je suis bête, non? Vous avez pu dire que je suis bête? Bon, est-ce qu'il y a des cailloux qui traînent? On va chercher des cailloux, les amis. On va chercher des cailloux. Alors, j'ai déjà mis l'électricité. Chaud, jour 3. Wouhou! Allez. Bro, go. J'aurais pu prendre l'ascenseur. Mais ça m'obligerait à retourner en bas.
Je sais pas trop comment m'en sortir par rapport à cette idée. Allez, go là. Ok, j'ai un vase qui est tombé directement en bas. Putain, il m'a fait peur. Purée. Bon, on prend ça quand même, on sait jamais. Peut-être ça peut servir, hein, si j'ai pas. Voilà, j'ai pris la manivelle. J'ai besoin d'une crowbar. Je sais pas où je peux trouver une crowbar, moi, personnellement. Où est-ce que je peux trouver une crowbar? J'ai récupéré tout ce qui devait être récupéré ici, normalement. J'ai pas trouvé la padlock key. J'ai pas trouvé l'ourson en peluche. Plein de trucs que j'ai pas trouvé là. Plein de trucs que j'ai pas encore trouvé là, les amis. Quoi, t'es bien avec ton brick, ton allumette, toi? C'est bon, quoi. Alors. On va essayer de pas mourir. Ah. Pas facile, hein. Pas facile tous les jours. Boom. Alors là, mon but, en fait, c'était de récupérer les deux vases pour pouvoir... Ah, putain, je vais pas descendre par là. Je vais juste récupérer les deux vases pour pouvoir voir ce qu'il y avait dans le sous-sol. Mon problème... Ah, vous savez quoi? Je vais prendre la clé du train. Je vais prendre la clé du train et je vais voir un petit peu. Parce qu'il me manque la manivelle pour allumer le courant dans le train. Il me manque le fusible. Il me manque... Il manque plein de trucs là encore. Il manque l'ourson en peluche. On l'a pas vu encore. Est-ce qu'il y a un endroit spécial où cet ourson pourrait apparaître? Il me manque la clé du coffre. Putain. La clé du coffre, on l'a pas eu encore. Et ouais, ça fait beaucoup de choses qu'on n'a pas eu. Donc je vais juste essayer d'aller en bas. Je vais juste essayer d'aller en bas. Parce que potentiellement je suis dans la merde. Ah, les gens qui parlent en français ont tellement de charisme. Est-ce que vous pensez qu'on partait sur un échec? Est-ce que vous pensez qu'on partait sur un échec? Attendez, hop. Pensez qu'ils peuvent me défoncer si je reste... Je reste dans la prison, là? Prochain jeu. Tu dis ça parce que je me suis fait défoncer plusieurs fois? Alors j'ai un autre jeu que j'ai commencé en live, un jeu d'horreur qui s'appelle Tormented Souls, que je compte continuer parce qu'il est pas mal. On va peut-être le faire, mais là avant tout, on va d'abord essayer quand même de terminer la mise à jour de Granny. J'aimerais bien, hein, j'aimerais vraiment bien pouvoir terminer ce truc-là. La clé, il m'a tabassé où? À l'entrée, non? Il m'a tabassé à l'entrée de la porte, donc du coup, techniquement, là je suis plutôt safe. J'ai vu personne descendre devant moi, à moins qu'il spawn en bas, et du coup... J'ai l'impression que je boite un peu, vous avez vu? Personnage un peu en mode... Ça va pas très bien. Ça va pas très bien du tout, Cyrus. Le robot, là? Il faut trouver un moyen de désactiver le robot. Ça marche pas. Merde. Mais laisse-moi tranquille, toi. Je mets où la clé du train? Ah, c'est là. Ah. J'ai besoin d'un accélérateur. Ok. Bon, on n'est pas encore prêt, les amis, hein. On n'est pas encore prêt. Donc je peux rentrer dans le train, je peux mettre le clin, j'ai besoin d'un accélérateur. J'ai mon ticket. Est-ce qu'avec mon ticket je peux faire quelque chose? Avec la caisse enregistreuse. Je sais pas. Lui il mériterait de recevoir un petit coup d'arbalète. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Ou quoi? Je suis non violent, mais bon, c'est un robot chiant quand même.
Casse la vitre. Attendez. Là, pour casser la vitre, il faudrait que j'ai une arbalète. L'arbalète est pas avec moi. L'arbalète est dehors, il me semble. Si mes souvenirs sont bons. L'arbalète est dans cette zone-là, tu vois. Le personnage, il est un petit peu en PLS. Hein. Il boite du haut, de ouf, là. Je vais pas très bien. Je vais pas très bien du tout. Ouais, dès que je vois quelqu'un, boum. Merde. Voilà. Bon. C'est pas du tout ce qui était prévu. J'ai lancé 3 cailloux sur le grand-père. Mais c'est pas grave, il y en a durable. Hop. J'ai un caillou. Ah. Les amis, c'est la panique. Non, c'est la panique. C'est la panique. C'était la grosse panique. Je voulais pas mourir ici. Pas encore. Bon, allez, on prend l'arbalète. On va péter cette fenêtre. On va voir ce qui se passe quand on pète la fenêtre. Bah après je vais péter la fenêtre, je suis d'accord, mais je veux dire, j'ai rien... Putain, Sandrina, hein, mais pousse-toi, Granny. Alors, même décédé, Granny et relou. Les amis, même décédé. Est-ce que c'est pas fort, ça? Est-ce que c'est pas fort, tout ça? Alors, on va voir ça. Oh, maybe I can break the glass. Jump in. Ok. Oh, il y a l'animation et tout. Ah, nice. L'acrobat. Oh. Oh, la clé du coffre. God damn it. Bon, alors, on va prendre les choses un après l'autre. Alors, l'acrobat, on va passer. La clé. Et moi, laisse-moi. Sérieusement? Ah, ok. C'est bon, on va voir le coffre maintenant. Alors, vous savez quoi? Attends, please, please, please. Please, please. Ok. Reste là, toi. Ne disparais pas. Non, je devais faire ça. Genre, j'espérais inconsciemment que ça ne... Ok, bon. C'est pas vraiment ce que j'ai envie. Alors, il y en a un autre tout en haut. Il faut grimper tout en haut. Ça va être compliqué. Du coup, je vais juste aller à la salle de bain, les amis. Je vais juste aller à la salle de bain et ouvrir le coffre et voir ce qu'il y a dedans. Avec un peu de chance, tout va bien. Avec un peu de chance, tout va bien se passer. Je boite et alors? J'ai un fusible. Le fusible sert là? Je peux partir en plus, c'est ça qui est... C'est abusé. C'est abusé. Je peux littéralement partir. Ok, bye. Je peux littéralement partir à la fin numéro 1. Je peux faire la fin numéro 1, les amis. Mais on l'a déjà faite. On n'a pas besoin de la refaire. Mais on peut la faire. Alors, si jamais j'ai un souci, je peux sortir par la première porte. Hein. Ça, c'est pas un gros problème. Alors, attendez. Granny de retour pour nous joindre. Un mauvais tour. Je me fais mon stock de cailloux. Non, mais bah, faut pas déconner, quoi. Pas déconner. Grappa, il a pas dormi, elle a pas son fusil. Ok, là je la tire. Là je la tire. Là je la tire. En espérant que grand-père ne vienne pas à l'arrière en mode. Hey! Mais t'es là! Salut Granny! Au revoir Granny! Au revoir Granny! Mmh. Au revoir Granny! Salut Granny! C'était une erreur stratégique. Ok, erreur stratégique guérie. Tout va bien. Je dois récupérer l'acrobat qui est en bas. Ok, let's go.
On va y aller vite, on va y aller vite, on va y aller vite. Et bien, vite et bien. Hop. Bon, on va laisser le fusil ici. Donc si grand-père passe dessus, il le récupère. C'est chiant. Mais est-ce que j'ai vraiment le temps d'aller me cacher? Je ne suis pas sûr. Vu que tout le monde est mort, j'aurais dû profiter pour prendre la peluche. Hein. Ouais, j'aurais dû en profiter pour prendre la peluche. D'ailleurs, je vais... Oh, mais je suis bête! ×2. Vite! Dépêche-toi, Seros! Dépêche-toi! Dépêche-toi! Dépêche-toi, comme si demain ne t'appartenait plus! Non, je pense que c'est mort. Je pense que je vais m'auto-tuer en faisant ça. Ok. Pour l'instant, tout va bien. Tant que j'entends pas les bruits de cœur, ça signifie qu'avec un peu de chance, Granny, grand-père et Tutti Quanti ne sont point là pour essayer de me tuer. Ok. Si j'entendais les bruits de cœur, par contre, ça aurait été une autre paire de manches. On va s'accroupir. On active. Et on prend l'ascenseur. Bah oui, il faut penser intelligent, hein. On a un ascenseur maintenant, autant l'utiliser quand même. Misari Roku, enfin j'assiste à un live. Je suis trop contente. Bah oui, exactement. Faites comme Misari. Mettez la petite cloche pour ne pas rater les lives lorsque je décide d'en faire. Oh, bah le vase. Mettez pouce bleu sur vidéo. Mettez pouce bleu ou sinon je viens vous manger. Ok. Non, vas-y, calme-toi. En fait, ça fait pas un peu un début de musique, vous savez, de rock. C'est bon, on va plus avoir peur dans le jeu maintenant, on est serein. Tamp, 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 yep, tamp, 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 yep, yep, tamp, 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 yep, tamp, 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 Granit dans la place. Elle va te faire la face, tu vas pas te reconnaître, parce que tu vas renaître. Tu vas te prendre un coup de batte de baseball. Toi-même, tu sais, ça fait mal. Quand ça arrive dans ta gaule. Non, je sais pas faire de rime, je ne sais pas rapper. Ok, non, arrête de me regarder avec des gros yeux, ok, ça arrive. Hein. J'essaye de temps en temps, mais c'est pas tout de suite. Stop. Arrêtez de juger. Je te vois juger derrière ton clavier. Je vous vois tous là juger derrière vos claviers. Ah, je ne suis pas ici. C'est une clé de quoi que j'ai récupéré dans les mains, là? Oh, c'est la clé, c'est la padlock key. D'accord, j'en ai besoin, en vrai. Je dois, par contre, je dois tout redescendre tout en bas. Mon pied de biche, il est où? Mon pied de biche, il est où? Mon pied de biche, il est où? Je l'avais ramené en haut, mon pied de biche, hein. I don't know, Granny. I don't know. Stop asking me. Ouais, pied de biche, il est là. Bro. Alors, moi, je vais passer par là. Je suis plus rapide, quand même. Oh, j'ai la manivelle. J'ai la manivelle. Les amis, attention. Là, ça devient compliqué. J'ai la manivelle. Qu'est-ce qui me manque? J'ai besoin d'un accélérateur. J'ai besoin d'un accélérateur. Alors, moi, ce que je peux faire, par contre, c'est je peux redescendre tout en bas. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Que là, c'était vraiment... Que là, c'était vraiment la merde. Est-ce qu'on est d'accord? Ah, maintenant, la question, c'est mon objet, est-ce qu'il est perdu?
Parce que ce jeu, il est buggé, hein. La vérité, c'est que ce jeu est buggé. La vérité, c'est que le jeu, il est buggé, les amis. Donc, franchement, j'ai peur, en fait, qu'on ait vraiment perdu le truc, là. Je vous jure. On va se cacher un peu. Purée de pommes de terre, mais ils se croisent en plus! Ils sont sérieux! Passe pas de piège. Purée. Mais elle s'est retournée d'un coup! Mais c'est n'importe quoi! Do you want to play hide and seek? Je suis dans la merde, les gars, je suis dans la merde. C'est mon dernier jour. C'est mon dernier jour. Si je meurs là, c'est foutu. Faut tout recommencer. Et qu'est-ce qu'on dit qu'on recommence? Bah, on dit rien du tout, on meurt, c'est tout. Et j'ai pas encore déterminé si effectivement mon. J'en ai marre. J'en ai marre. Je peux juste pas sortir. Je peux juste pas sortir d'ici, quoi. Vous êtes sérieux? Purée, mais c'est pas possible. C'est pas possible, les amis. C'est pas possible. Je suis en PLS total. Allez tous vous faire F. Non mais sérieux. God damn it. On va rester dans le casier, les amis. Qu'est-ce que je vous dise? On va rester dans le casier, hein. L'arbalète est à côté. Mais oui, tu as tellement raison. OMG. Mec. Mec, meuf. Peu importe qui tu es, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'avais totalement oublié que j'avais l'arbalète qui était là. Ce qui change totalement tout. Tout change maintenant. Bon, hop. J'ai un peu peur de le prendre. J'ai pas envie de mourir en fait. J'ai pas envie de mourir avec ces conneries. Du coup, je vais juste vérifier où se trouve la manivelle en espérant qu'elle n'a pas disparu. Ouf, il y a masse de choses ici apparemment. Ok, bon, ici il n'y a rien. J'ai ma crowbar qui est ici. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur de que le truc a disparu avec le bug. Tu sais, quand tu meurs avec un objet en main et que cet objet finit par tomber, tu vois le délire ou pas? Non, c'est là! Oh,
Là, j'ai plus de cailloux, j'ai plus de, d'arbalète. Donc, du coup, si je me fais rebloquer comme tout à l'heure en bas, ça peut être compliqué. Ah, il y a la clé du padlock aussi. Il y a sûrement un truc à récupérer là-dedans, là. Mais pour moi, ce truc-là, c'est pas l'accélérateur. Hein. Pour moi, c'est pour le petit robot qui crie, là. C'est pour mettre ici, tu vois. Pour mettre là. Et je fais... Et j'active. Il marche plus, lui. Je sais pas pourquoi il marche pas. Est-ce que je peux partir? Non, toujours pas. J'ai besoin d'un accélérateur, ils disent. J'ai besoin d'un accélérateur. Donc du coup, je dois faire l'énigme. Je pense que je dois faire l'énigme des vases. Je pense que je dois faire l'énigme des vases. Alors maintenant, la padlock key. Tout est dans la pièce du milieu, tu sais. Caillou, frère. Juste un caillou. Allez, deux pour la bonne mesure, parce que des fois je rate ma cible. Besoin de caillou. Hop. Ça va aller. Ah, éventuellement un petit troisième, juste pour bien faire, tu vois. Un petit troisième. Allez. Un petit trois. Un caillou, trois. Un, voilà, très bien, très bien. Oui, Granny sur PC, les amis. Sur Steam, pour être exact. Vous pouvez le télécharger. Il coûte, par contre, sur PC, il est payant. Contrairement à la version Android, qui est, elle, gratuite, sur PC, tu vas payer. Du coup, je vais dans la salle numéro 2. Ouais, Granny est là. Vas-y, casse-toi, Granny. J'ai juste besoin des vases. Alors, ma question c'est. Par contre, ma grande question c'est où est. Où est mon. Où est mon. Ah putain, grand-père. Ok. Où est ma clé? Elle est là? Ouais, c'est là. Ma petite clé est là. Donc, du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà la déposer. Je vais pas l'utiliser, mais je vais la déposer au moins en bas des escaliers. Je vais la jeter salement comme ça là. Ah, disparaît pas. Ok, très bien. Et ensuite, je vais aller dans la cuisine. Donc, le problème, c'est que j'ai deux allers-retours à faire avec les deux vases. Ils auront le temps de spawn. Mais si je suis assez rapide, je peux probablement faire le truc. Hop, je récupère un vase là. On plonge dans l'eau. Et c'est ça que de recommencer plusieurs fois le même jeu pendant au moins 15 épisodes. Je sais pas combien d'épisodes de Granny j'ai fait. Quelqu'un peut me dire avec exactitude combien d'épisodes de Granny chapter 3 j'ai fait sur cette chaîne depuis le temps que c'est... Non? Quelqu'un peut faire ça ou pas? Moi? Non mais c'est pas question, est-ce que quelqu'un peut... Bah, c'est... Genre c'est pas dire moi, c'est genre dire combien. Calice de tabarnak. Oui, totalement d'accord avec toi sur ce coup-là. Totalement d'accord. La version PC Premium est gratuite sur Steam Unlock. C'est un truc légal ça? J'ai un peu des doutes, hein, sur... En général, quand un jeu qui est payant est gratuit quelque part d'autre, tu vois... Putain, Stream Element, je lui ai déjà dit d'arrêter de dire que c'est pas un live, mais il continue, il est sérieux, lui? Alors... Oula, il y a des chiffres random que je vois apparaître, là. Ouais, si vous savez pas, dites pas, hein. Si vous savez pas, au moins 6. Ah bah ça, Leira... Alors, Leira, oui. Au moins, minimum 6, ça c'est sûr. 8 épisodes, me dit Amanda. Ah, est-ce qu'Amanda a raison? Non! J'ai besoin de fermer les portes. Est-ce que c'est pas ça qu'on aime voir, les amis? C'est pas ça. En plus, juste à temps, parce que je dois partir.
Ah, vous savez, je dois partir, je vais aller chercher ma copine à son travail. Mais du coup, c'est vraiment génial de pouvoir terminer Granny 3 avec cet épisode final. Et en fait, avec la sortie train du premier coup. Est-ce que c'est pas beau tout ça, les amis? Oh oui, une pluie de GG. J'adore voir ça, nous adorons voir ça. Ah, oh, c'était vachement fort ça, par contre. C'était vachement fort ça. Pourquoi c'est si fort? C'est fort pour vous aussi? C'était fort pour vous aussi? Ah, parce que pour moi c'était ultra fort. Pour moi ça m'a niqué les oreilles. Pour moi ça m'a niqué les oreilles de ouf. Ouh, tous ces GG, merci beaucoup les amis, vous faites plaisir. Les amis, n'hésitez pas à aller suivre mon Twitter pour savoir quand je ferai un prochain live. Peut-être, je sais pas, on est dimanche, demain lundi, demain après-midi, il y aura peut-être un live. C'était très fort, on est d'accord, faudra que je baisse, hein. Attendez, est-ce que je peux éventuellement baisser le son ici? Non, il faut que je baisse directement chez Stream Element. Annuler. Ok, voilà. Donc les amis. Ah ben voilà, c'est beaucoup mieux là d'un coup. Maxence, merci à toi, t'es un chef Céros, c'est toi le chef Maxence. Merci beaucoup, c'est très gentil. Alors, les amis, avant que vous partiez tous, allez sur mon Twitter là. Merde, c'est pas le bon tour. Je vous vois tous partir déjà là. Non, alors attendez. Hein. Voilà, j'ai mon Twitter là. Hop, Céros, voilà. Faudra soutenir Céros pour son arrivée sur YouTube en live. Merci Dazzle. Ouais, t'as raison. Les gars. Ah merde, j'ai oublié le les slash slash. Putain, je sais même pas faire de lien. Voilà. Allez, oh ben merci Stream Element. Allez sur mon Twitter s'il vous plaît, allez me follow là-bas pour être au courant de quand je fais mes lives. Je ferai mes lives peut-être tous les jours. Ou en tout cas assez régulièrement. En plus des vidéos YouTube qui vont popper ici et là. Et bien évidemment, en fait, je tiens à vous prévenir aussi, pour ceux qui se posent la question, ce sera pas que des lives uniquement horreur, hein, les amis. Ce sera des lives plutôt variés, comme je faisais sur Twitch. Hein, il y aura juste du jeu d'horreur en plus. Je vais probablement avoir un jour pour les jeux d'horreur. Et je vais vous faire une petite programmation. Probablement le dimanche, ça me semble être pas mal pour... dimanche, c'est jour de Granny, jeu téléphone mobile, d'horreur, etc. Donc du coup, ça changera pas trop. Mais je peux par exemple vous faire, je sais pas, le mercredi horreur ou vendredi. Le vendredi horreur, c'est pas mal aussi. Bref, trouvez un jeu, un jour. Je vais essayer de trouver un jour pour vous donner une petite programmation par rapport à tout ça. Donc en tout cas, merci d'avoir été aussi nombreux pour mon premier live sur YouTube depuis très longtemps. Ça me fait super plaisir. Je vous fais de trop gros bisous. Bon, c'était un petit live, il était pas très long, on a livé combien de temps là? J'ai pas l'heure, j'ai l'heure nulle part. Comment ça se fait que j'ai l'heure nulle part? What the fuck? Bon bah je sais pas combien de temps j'ai livé. Bref, en tout cas, si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à nous rejoindre sur YouTube, sur Twitter et Instagram, tous les liens sont dans la description. Et je vous fais des gros bisous, voilà. À très très bientôt les amis, bye bye. Et oui, j'ai vu le trailer de God of War, t'inquiète pas. Une heure, ouais, c'est à peu près une heure, ça va. Une heure, une minute, parfait quoi. Parfait du coup. On fera des plus gros lives à part la prochaine fois. Je vous fais des gros bisous, bye bye les amis. J'ai...